Hey Lucinda, qu'est-ce qu'on te fait? Comment il est? Ben, m'a choisi la vanille avec 2-3 épices. Super ça! Et pour faire comment de cocktail pays? Bah oui, allons! Bonjour et bonne année. J'espère à la passe de très bonnes fêtes. Maintenant, on commence l'année sur une bonne base. Alors pour aujourd'hui, et ça présente à un petit cocktail à base d'une vieille confiture longtemps. Nous, ça fait un mamitravage. Bon, bien sûr, il est un peu jeune tout ça, mais ça fait appel à un défenseur de la gastronomie réunionnaise, cette nous connaît le plus et cette nous aime le plus, Fred. Bonjour Lucinda. Bonjour, bonne année. Bonjour à toutes, bonne année à Zot, nos meilleurs voeux de la Réunion. La cuisine d'antan, c'est autre truc. Voilà. Alors aujourd'hui, il aimerait bien au moins comment il fait un mamitravage. Ah bon, ben déjà on a bien choisi tous les ingrédients qu'il faut. Hein. On a un joli cambas, une jolie patate carotte, un joli patate mauve et songe gris. Donc voilà, on va mixer tout ça avec une infusion d'ayapana. Alors ça l'est bon pour la digestion, ça l'est bon gramouna montamouin. On a juste à faire bouillir de l'eau, donc là l'eau est chaude. On met ayapana dedans. Voilà. C'est ça l'infusion alors. Voilà, on n'a pas besoin de plus que ça. Ouais. Comme ça on laisse refroidir, en attendant on va finir le marmite. Voilà, la fenda va aller bien propre, rincée. Mais Fred, mais pourquoi tout le monde appelle ça ravage? Mais ravage, ça c'est longtemps que tu fais, banane, tu fais que manger cochon. Et de bonnes gros bacs fouillés à blanc, on a fait comme ça, voilà. Tu fais cuire un peu tout dedans, mettre conflore, patate, manioc, bonnes gros fouillés à pain entier. Ah, c'est pour ça que j'ai entendu, banane, tu appelles ça manger cochon. Voilà, là, nous va mettre le ravage dedans. La marmite. Le petit marmite. Le sucre d'abord. Mettez un petit peu la vanille dedans. Gratte pas, mais dedans. Non, laissez comme ça. Même. Voilà. On va nous mettre de l'eau. De l'eau. On nous couvre. Allez. Là. Hop là. Et après, nous envoyer au feu. Allez. Tu l'as fini? Ah ben oui. T'es là, elle est jolie là. Petit ravage. Merci chef pour la leçon. Bon, on la trouve? On l'a trouvé. Allez, pépété. Elle est bon. Donc on met bien un morceau de chaque, voire deux. Allez, nous les gourmands. Nous va mettre notre infusion de ayapana. On va mettre un peu de glaçon. Et là, nous envoie, on ça fait mixer. Je vous présente à notre mon smoothie ravage. J'espère que Marie fait voyage à notre un petit peu d'un temps longtemps. Et puis, bonne dégustation et puis la trop. On se retrouve la semaine prochaine.